Bien, salut à toutes et à tous, c'est Onimar. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur Dying Light, notre série sur Dying Light. Donc, ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, on reçoit les petits lags tout à fait normal. Donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était entraîné et aussi j'avais dit que j'augmenterais le son parce que le son était vraiment très bas. Voilà, même moi ça me déchire les oreilles. Ah. Donc on avait dit que le docteur Zéré. On devait aller voir le docteur Zéré parce qu'on avait des crises. Et puis voilà, donc on est parti. C'est reparti. Et on va juste mettre le compteur. C'est parfait. Et hop là. Allez, let's go. Je peux sortir? Parler à l'intendant. Ah non! D'abord, il faut parler à l'intendant. C'est bien ça. Hein. Voilà, maintenant. L'intendant qui est. Putain, j'étais vraiment des lags, ça c'est chiant. Toi, le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Ah, d'accord. Voilà pour toi. Au fait. Dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus, juste bon à attendre. Ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Cool. Ne leur en fait pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter. Mais attendez, c'est quoi pour. Qu'on entende mieux les voix. Ah, c'est ça. Et pour s'en sortir dans cette foutue voilà. Ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service. Et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Ah, d'accord. MDR. Clé à griffe rouillée. Maintenant, vous pourrez chaque jour de nouveaux objets gratuits. N'oubliez pas d'aller les voir quand vous manquerez de matériel. On va prendre ça. On va tout prendre. Pied de table. Donne-le. Alors, j'ai appris aussi quelque chose. Enfin, voilà. Alors. Dégâts du tuyau 24, 24, 19. Ok, pied de table, c'est de la grosse merde. On va aller en bas. Oh! Oh! Comment on fait pour? Comment je. Normalement, il y a une touche en fait. Je crois que ça attendait. Non. J'essaie sur le clavier, mais non, c'est pas ça. Alors, hey, tu sors? Ouais, allez. Hé, hey, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Ok, pas de problème. T'inquiète. Oh, c'est bon, c'est que la lumière du jour. Oh, la lumière du jour m'éblouit. Oh. Bon, le bleu. Zéré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche. Pousse droit au sud, tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer au touriste. De jouer au touriste. Trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. Non, mais c'est trop étouche. Attendez, faut vraiment que je m'habitue aux touches. C'est pas moi. Je me crois sur Assassin's Creed quoi. Le mec il marche sur les murs. J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Je perds pour toi que non hein. Je peux parler à personne. Docteur Zero est ici. D'accord, le mec il tape, il rentre. Cool. Y a quelqu'un? Camden, tu es là? Je suis censé recevoir un vaccin.
Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable? Le greu. Il n'y a pas de remède. C'est une variante de... On en a parlé au début. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits, j'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? En fait, il y a un truc que je comprends pas. Alors, de 1, l'épidémie s'est déclenchée. Ouais, l'épidémie s'est... Zéré m'a examiné. Putain. Super, ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zéré. Du boulot pour toi. Non! Ah merde, faut que j'en fasse l'autre jour. Alors... point de compétence, ok. Je vais juste regarder. Ouais, donc je disais, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'une épidémie s'est déclenchée, je pense, à cause d'un virus. Enfin, non, pas je pense, c'est à cause d'un virus. Et Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que le virus n'a pas infecté tout le monde en fait. Ah! Voilà. N'a pas infecté tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est là, dehors. Le virus est toujours là. N'approche pas des gars de Rice. T'inquiète. Spike, je suis Crane. Encore de la main-d'œuvre au rabais. Super. Boucle-la et écoute. Okay. Il y a deux types de livraison. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antizine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les sort pas la nuit, livraisons d'antizine auront lieu soir, au crépuscule. Brecken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et sort pas la nuit, c'est quoi? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Brecken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça, ton rôle. Très bien. Où sont les pièges et comment je les active? Tu verras. Je te guiderai en permanence. Merci. N'oublie pas, sans ces pièges, Brecken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antizine, c'est la fin. La fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de soucis. Alors, appui rapide pour changer d'arme et pour changer d'équipement. Ok, moi je pourrais pas le changer ici. Les butins sont la clé du survie. Fouillez les cadavres, les coffres, les voitures abandonnées, les meubles et même les poubelles pour trouver des composants de création, des armes et de l'argent. A, pour utiliser votre instinct de survie, identifiez les objets que vous recherchez. Explorez le monde à la recherche des coffres verrouillés, laissés par d'autres survies, ils se trouvent généralement sur les toits, hors de portée des zombies qui contiennent des armes ou d'autres objets de valeur. Fermé. Excellent. Excellent. Faut que je me familiarise avec les touches. Alors, ça c'est pour changer de ces armes là. Ok. Je
veut les pétards, ils sont. Kit de soins, pétards, mais comment. Ok. Et comment je les envoie ces merdes? Ok, d'accord. Alors c'est par là. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Non, ça marche pas. Oh, oh. Il pourra pas sauter de là. Non, non, c'est bon, lâche. T'inquiète. Je gère. Maintenant, il est toujours ouvert là, toi. Piège activé. Ici Jade. Y'a quelqu'un dehors? J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane? Écoute. Un de nos traceurs transformait une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Allez, go. Go. On va aller taper du zombie. Génial. Oh, ça passe. La chatte. Ah, c'est vrai que j'avais des points de compétence pas acquis. Attendez. RB. Compétence. Vous avez des points de compétence à défense. C'est vrai, c'est un rare compétence d'afficher au point. Les niveaux de savoir permettent d'accéder à des aptitudes, des plans et des gadgets. Pour augmenter votre niveau de savoir, aider d'autres soins et relever les défis. Plus votre niveau est élevé, plus l'équipement proposé dans les boutiques vaut le détour. Faut toujours maintenir, c'est chiant. Kit de survivant. Apprenez à fabriquer les objets basiques pour le survie. Crochet, pétard, shuriken, simple et des cocktails molotov. J'apprends. Ça passe pas. Oh putain, vous avez appris à fabriquer des shurikens. Ça peut être toi, c'est des shurikens. Dégage. Il est où? Ah, c'est ici. Oh, ouais, ok, Jade, je suis sur place. Avec quelques infos. Comment? Mais ah putain. Quoi là, c'est ça? Oh! Coup de pied! Tu. Meurs! Co. Na. C'est normal quand. Je suis sûr, il est zombifié, j'entends un zombie. T'es sûr? On m'a déjà dit que je devais pas tuer vos amis. Ok, c'est fait. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Journal de combat. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Ah bah j'aimerais bien, mais. C'est bon, je sécurise l'endroit. Zone sécurisée débloquée. Et maintenant. Merde. Montez sur le toit et contactez le greu. Excellent. Non. Les lumières sont allumées. Presque. Laisse-moi une seconde. Ah merde. Mais. Bah merde. Attendez, je crois qu'on peut voir l'heure quelque part. Non, papa. Moi, je sors pas de nuit, c'est mort.
je contacte le greu. Donc le greu, c'est les gens qui en crochetage. J'ai jamais appris. Pour crocheter une serrure, déplacez le crochet avec LS et faites tourner le tournevis avec R pour ouvrir. Si le crochet se met à vibrer, il peut casser. Ne forcez pas, appuyez sur B pour continuer. Donc L et S, je crois que c'est ça. RS c'est ça et LS c'est ça. Déplacez le crochet, c'est le tournevis. Attendez. Ah, c'est chaud. J'ai pas réussi. Plan sac à dos. Plan. Je peux. Nice. Je vais créer des crochets. On réessaye. Alors. Donc ça. Ok. En mode que une clé à molette, une clé à règle et du café. Je vais me faire un petit café. Alors, inventaire, clé à réglable, dégâts 31. Comment je. Oh merde, ok. À la place du pied de table, clé à réglable 31, 24. Putain, elle est parfaite cette clé à réglable. Quoi? Tueur de gaz 39. Ok, là j'ai quoi dans la main? Clé à molette. Clé normale. Okay. Merde. Voilà, j'ai utilisé un kit de soin. Voilà. Et c'est Crane. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Comme ils sont en train d'insulter Zéré. C'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike, tu les marqueras sur ta. Ah pardon. Merci. À toi, Spike. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue. De rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards se laissent facilement distraire. Ces crevards, quand ils parlent des zombies. Alors, merde. Ah! Allez, on fait la voiture, c'est bon, faites. Oh, ah. Oh. Non, non, non. Oh. Dégagez. Allez voir là-bas. Allez voir là-bas si j'y suis. Putain, faut vraiment que je m'apprenne les touches, quoi. C'est quoi, j'utilise le coup de pied. Par qui? Oh, par les mecs de Spik, de Rix. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Eh merde. Ok. Merde. Putain, et sérieusement, faut vraiment que je m'habitue aux touches. On a combien de temps? Oh, ça fait déjà 20 minutes.
faire un petit peu de chemin et puis. Niveau d'agilité augmenté. Ah ah! Agilité. L'arbre d'agilité vous permet de semer vos adversaires pour améliorer votre agilité, grimper, sauter ou réaliser des figures de traceur et utiliser des compétences de l'arbre d'agilité. Esquivez les attaques en sautant en arrière ou sur le côté. Déplacez-vous dans la direction souhaitée et appuyez sur RB pour exécuter cette action. Tuyau de gaz ensemble. C'est là. Ah mais faut que j'arrête de me tromper de touche. C'est où? Ah c'est là. Et là. Je le lance. Oh. Coup de pied. Ah. Oh, putain. C'est chaud hein, quand même de grimper. Faut vraiment s'habituer aux touches, j'ai du mal. C'est là. Positif, dis donc. Trois fois plus lumineuse qu'un lampadaire. De quoi donner beaucoup de soleil aux infectés. On prend. Bon, les amis, on se retrouve pour un prochain épisode. On finit juste ce crochetage. Voilà. On se retrouve pour un prochain épisode. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter pour me proposer des choses, même si j'ai tourné une bonne partie. Si vous voyez cette vidéo. Donc voilà, on se voit une prochaine fois sur Dying Light. Je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.